C'est ça la vie. Tu ne peux pas avoir des parents riches et vivre comme un pauvre, non? C'est mon point de vue. Tu ne peux pas avoir des parents riches et vivre comme un pauvre. Donc, comme parent, sois riche et décide qu'il ne va rien laisser à ses enfants et qu'il va tout laisser aux organismes. C'est pour moi, je pense que cet homme-là, il a un problème. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez. Est-ce que vous allez déshériter tous vos enfants, même si vos enfants n'ont rien fait? Ces enfants étaient encore jeunes, ils devaient avoir 12, 14, 16 ans. Et il leur disait qu'il ne va rien leur laisser, qu'il va tout laisser. Ses enfants, même si le monsieur était riche, ses enfants allaient faire des travaux dans les McDonald's, allaient faire les petits jobs qu'il n'avait pas besoin de faire avec toute la richesse qu'il avait. Bon, à partir de là, moi, je me dis, il faut souvent faire un peu la part des choses. Moi, tu peux pas échapper à un privilège que la nature a bien voulu te donner. Je veux dire, si tu as la chance de naître dans une famille riche, vous pensez que les enfants de Elon Musk, de Bill Gates, de tous ces Mark Zuckerberg, ce sont des enfants qui partent dans la vie avec un avantage sur nous tous. À partir de là, tu ne peux pas faire semblant de ne pas avoir un privilège. C'est un privilège que la nature t'a donné. Eh bien, profites-en.